Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui exceptionnellement il n'y aura pas de facecam, je vais pas m'étaler sur le sujet dans la vidéo, vous retrouverez les raisons en description. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 de notre let's play sur le défi vampire d'exception. La dernière fois vous avez été tellement nombreux à vous demander qui était la personne qu'on avait vue dans le machinima de fin du dernier épisode. Dans le dernier épisode, l'épisode 13, on avait eu un machinima au début, un machinima à la fin, c'était exceptionnel. Et donc dans le machinima de fin, on a eu vent du fait qu'il allait avoir un nouveau personnage, donc on a vu dans les dernières secondes de la fin du machinima. Et aujourd'hui, dans le machinima d'aujourd'hui, on a pu découvrir un peu plus qui était cette personne. Vous avez pu constater que c'est une personne qui aime beaucoup explorer les lieux abandonnés, un petit peu comme, je dirais, faire un urbex à l'heure d'aujourd'hui, c'était un petit peu ce qu'elle aimait faire. Elle est tombée sur cette chapelle qui l'a beaucoup intriguée, elle trouvait qu'il y avait quelque chose de négatif qui s'en dégageait et elle voulait vraiment savoir quelle était l'histoire de ce bâtiment au final, parce que c'est surtout ça que ce personnage aimait faire. Et au final elle est revenue donc un deuxième jour pour attaquer ses recherches et elle est tombée sur Louve complètement démoralisée, complètement détruite. Elle l'avait déjà connue dans son enfance dans des souvenirs très lointains, elle était encore bambin à l'époque, la petite Rena du coup, puisqu'on a vu son prénom aujourd'hui dans le machinima. En effet cette chevelure et ce visage c'est quand même quelque chose d'assez atypique, donc forcément ça lui a rappelé cette petite fille qui à l'époque déjà l'étonnait beaucoup. Et donc elle a décidé de la suivre pour savoir où est-ce qu'elle vivait, pour pouvoir peut-être signaler le fait qu'elle avait retrouvé une personne disparue. Et au final elle a fait la rencontre donc de la petite Freya, et Freya elle est pas totalement pour l'idée d'avertir tout de suite les personnes. Elle aimerait bien en fait d'abord avoir accès à une petite vengeance. Je pense que vous allez enfin être servi parce que vous allez voir ce qui va se passer, pas aujourd'hui mais dans le prochain épisode. Aujourd'hui on est dans l'épisode 14 et ce sera probablement l'avant-dernier épisode. Je vais vous expliquer pourquoi, déjà par rapport à l'histoire, c'est logique, mais aussi parce qu'on a beaucoup avancé les objectifs du défi. On avait déjà atteint le niveau 15 de l'aspiration, de la compétence coutume de vampire. Vous voyez qu'en peinture on y est bientôt, on avait quand même continué à s'occuper de cette compétence pendant qu'on était à la chapelle. Idem pour la compétence violon qui elle est au niveau 6. Donc là on est rentré, voilà, on est la nuit, on vient de rentrer et vous voyez que les besoins de Louvre sont pas fifous. Donc il va falloir qu'on s'occupe de ça aussi. Et concernant les morsures, on était à 22 sur 30 la dernière fois, donc en deux épisodes ça devrait le faire. Voilà, je pense qu'en deux épisodes on pourra venir à bout de cet objectif là. Et voilà, s'arrêter sur ce let's play au bout de 15 épisodes c'était à peu près mon objectif. Moi j'avais visé plutôt 20 épisodes parce que je savais pas comment j'allais départager tous les éléments de l'histoire en vidéo, mais finalement 15 épisodes sont largement suffisants. L'état du jardin, mon dieu, comme on n'a pas été là pendant plusieurs jours, il s'en est passé des choses ici, dis donc, c'est dramatique.
C'est dramatique. Pour Louve, j'aimerais bien qu'elle sorte un petit peu là, qu'elle fasse juste un tout petit peu de méditation obscure, parce que ses besoins de vampire sont très très faibles, juste histoire de la remonter un petit peu, ensuite elle ira dormir quand le jour se lèvera. Toi mon coco, bah je te ferais bien peindre, mais là c'est pas possible, parce que, eh bien, c'est Louve qui a besoin du chevalet, donc bah je vais l'envoyer s'entraîner à préparer des boissons, et elle va aller pêcher un petit peu. J'aimerais bien venir jouer un petit peu avec Monty, et ensuite, je pense qu'on va s'occuper de la peinture en premier pour terminer enfin cette aspiration. Tu vas tout désherber. Regardez comme tout est sale. Je suis partie pendant, je crois, 3 jours. Donc c'est quand même énorme. Est-ce que je peux faire de la super vente maintenant? Bah, je sais pas, elle a tout vendu. Donc je ne peux pas savoir. Toi, tu remontes ton social, c'est parfait. Et soit c'est ta toile, il me semble. Ouais, voilà, on va lui faire reprendre cette toile. Comme ça, on augmente un petit peu sa peinture. Ah, il y a ça à réparer là aussi. Bah, je pense que je vais le faire s'arrêter en fait, parce que lui aussi, il a besoin d'augmenter son besoin social. Ensuite, on va quand même jouer avec un pointeur laser. Toi, t'as tout désherbé. Maintenant, il faut que tu arroses, parce que là, ça va pas du tout. Elle est toujours vivante, cette plante. Elle a l'air morte, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ensuite, tout compte fait, c'est elle qui ira au bar, parce que comme ça, lui, il peut s'occuper de la corde là qui est cassée et du linge aussi. Toi, du coup, tu venais à peine d'être level 8, hein. C'est ça. J'adore la peinture. Ah oui, comme on a eu la mise à jour avec les goûts, eh bien, je lui ai rajouté des goûts. Je sais pas comment on fait pour les voir. Préférence. Je lui ai mis que la peinture en préférence. Ah bon? Donc ouais, du coup, ça fait des nouveaux moodlets, c'est super intéressant. Louve est dans son élément. Les Sims qui font quelque chose qu'ils préfèrent améliorent davantage le niveau de leurs besoins de divertissement. Trop bien! Alors toi, tu vas t'occuper de ça, et ensuite de ça aussi. Alors, il y a une personne dans les commentaires qui m'avait dit que c'était étonnant qu'il n'y avait pas d'interaction entre Louve et son père concernant la peinture, dans le sens où moi, je pensais que le fait que Armand soit level maximal en peinture, je pensais qu'il pouvait enseigner à Louve. Et vous avez été aussi étonné qu'on ne puisse pas le faire, et il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était possible, qu'en réalité, c'était parce que leur relation était mauvaise. Niveau 6, mixologie, ok, je vais pas vous mentir, j'ai pas que ça à faire, de remonter leur relation, franchement on s'en fout, puisque de base ils ne s'entendent pas, donc ça ferait en plus assez contradictoire, donc tant pis, hein, je pense qu'on pourra jamais utiliser cette interaction, mais vraiment c'est étonnant, je pense que c'est effectivement pour ça du coup. Ah ah ah, j'ai vu Freya passer là. Je t'ai vu Freya, je vous jure qu'on l'a vu, je suis pas folle, je l'ai vu. Regardez le bazar qu'elle m'a fait là encore, c'est pas possible. Il y a pas d'enfant dans le foyer donc ça peut être que elle. Il y a un Monty qui est en train de monter, pourquoi il monte? Qu'est-ce qui vient? Oh, c'est trop chou, il vient réclamer des câlins à Freya. Freya qui se couche dans mon lit quand même, c'est assez horrible. Non, elle est en train de pleurer en fait. Oh, c'est trop mignon cette réaction, vous avez vu comme il a couru vers elle? C'est trop chou. Bon, elle a bientôt fini sa toile, elle peint super vite. Je vais attendre que Armand termine s'occuper du linge et ensuite on ira voir si je pourrais m'attaquer à des gens un petit peu. Je peux pas jouer avec elle, c'est trop triste. J'aurais trop aimé jouer avec elle. Ah bah ils ont tous les deux soif en fait. Je pense que on va y aller peut-être avec Hulda ou Armand. Je sais pas du tout parce que les deux ont soif pour le coup. Ah, on a de l'orage en prévision pour aujourd'hui. Dès qu'elle finit sa toile, on y va. Hein. Je veux rien savoir. Vendre un collectionneur. On va partir avec Hulda. On va aller chez les Caliente. Il y a 4 personnes. C'est déjà pas mal, franchement. J'ai jamais mordu de Caliente, donc c'est parfait. Alors, on va faire une petite entrée vampirique. Il y a quelqu'un ici. S'il te plaît, pars pas mec, pars pas. Obligé à boire une grande quantité de plasma. Faut pas que j'oublie aussi qu'il faut que je transforme aussi 3 Sims en vampire. Dans les règles, il y a ça aussi. Faudra pas que j'oublie, bon ça va être assez vite fait. Tiens, il y a quelqu'un ici, on va la garder pour Hulda celle-là. Histoire qu'elle augmente un petit peu sa jauge. Parfait. Alors, est-ce qu'elle a réussi Hulda? Oui, parfait. Il y a quelqu'un ici, ne pars pas. Et je crois qu'il y a encore une personne, non? Il est 5h du matin, il va faire jour. On y est allé un peu tard quand même. La prochaine fois, on ira plus tôt. Est-ce que je peux prendre des machins pour elle. Oiseaux de nuit. Les oiseaux de nuit ont des compétences supplémentaires la nuit. L'interaction enseignée devient disponible. Ah, mais c'est peut-être ça, du coup. Parce que je me sers jamais de ces compétences-là. Enfin, de ces compétences, de ces trucs. Parce que j'y pense jamais et c'est la vidéo de NS qu'à la sortie sur le sujet qui m'y a fait penser. Et effectivement, il faut peut-être que j'achète ça pour Armand pour qu'il puisse l'aider à compléter son aspiration, sa compétence peinture, quoi. Ah, je me disais bien qu'il y avait encore une personne. On va s'en occuper, il y a tout le monde qui est évanoui dans la maison, c'est n'importe quoi. Donc on est à 25, en 2 vidéos, ce sera largement suffisant, j'ai envie de vous dire. Avant que j'oublie. Alors c'était quoi le machin? Mentor. Lorsque les mentors atteignent le niveau 10 d'une compétence, l'interaction enseignée devient disponible. Ils peuvent alors aider les autres Sims à améliorer leurs compétences plus rapidement. Ben parfait! C'était peut-être ça qu'il fallait que je fasse depuis le début. Bon, on va envoyer tout le monde dormir. Le divertissement de Hulda, ça va pas du tout, mais tant pis, là, on n'a pas le temps. Il est 18h, je vais essayer quelque chose que j'ai jamais essayé depuis le début de ce let's play, je ne sais pas pourquoi. On va essayer l'interaction faire crac crac pour
augmenter leur social, enfin leur, ouais, leur social, leur divertissement, je crois que ça augmente les deux. C'est une technique que je connais depuis très longtemps, mais je sais pas, je l'ai jamais utilisée. Vous avez remarqué que les deux, depuis le début du let's play, ils ont aucune interaction sociale, je m'en occupe pas vraiment, puisque c'est pas leur, leur priorité, quoi, dans la vie. Mais là, pour le bien de leurs besoins, on va voir si ça augmente les deux. Le petit Monty, il est orange parce qu'il a peur de l'orage, il est complètement tétanisé, elle aussi d'ailleurs. Alors, verdict, ça augmente leur divertissement, mais je vais faire ça tellement plus souvent, plus j'avais jamais testé comme ça, c'est hyper glauque, c'est hyper malsain. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Louve? Dépêche-toi un petit peu, tu vas faire de la peinture. Grande toile classique. Ensuite, Armand, quand il aura fini de faire ses affaires, faut absolument qu'on trouve quelqu'un à boire, là. Il y a des gens, là. Mais je suis occupée, moi. Puis ils ont tous peur, ils sont tous effrayés. Vas-y, sors là, sors de là. Je t'en supplie. Attends-moi, madame. Ce fut fastidieux, mais j'ai réussi. Donc, hurler de façon incohérente. Est-ce que ça marche vraiment? Comment est-ce qu'on fait? Pourquoi moi je peux pas? Pourtant, j'ai acheté le machin là, c'est de l'arnaque, je l'ai acheté hein. Après, effectivement, peut-être qu'il faut que leur relation soit élevée, mais je suis désolée, c'est pas écrit sur le papier hein. Moi, c'est de l'arnaque pour moi ça hein. Discuter de la théorie des couleurs. Non, il y a pas hein. Ah, je trouve ça trop dommage, franchement. Il s'est pris la foudre cet abruti. Mais quelle probabilité pour que ça arrive, franchement. Armand a été touché par un éclair. J'ai cru qu'il était en train de mourir, j'ai flippé. Oiseau de nuit, les compétences sont améliorées la nuit. Voilà, on a quand même pris ça au cas où et ça a l'air de fonctionner ça. Faudra que je remplisse la gamelle du chat à un moment donné quand même. Bah c'est Armand qui le fera. C'est horrible, punaise. Envie d'être à l'intérieur. Faire des choses à l'intérieur manque à Louve. Ah, la chaleur, le confort et la sécurité. Ouais, elle a adopté ce style de vie casanière pendant qu'elle était à la chapelle puisqu'elle pouvait pas sortir. Allez, cette nuit-là, je pense qu'on va pas sortir. On sortira la nuit prochaine. Parce que comme il nous reste que 5 Sims à mordre, ça va aller en 2 épisodes. Louvre peut désormais créer des toiles surréalistes et impressionnistes de niveau élevé. Quand elle aura fini, ils vont faire un petit peu des bêtises. Alors, courir vampiriquement ici. Je vais juste attendre qu'il atteigne son niveau suivant, lui. Ce sera level 8. Et ensuite, ils iront faire des bêtises. Niveau 8, Armand a appris la recette du film muet. Il peut également partager des secrets de mixologie avec d'autres Sims. Ok, elle a plein de moodlettes, là. Y a pas un machin pour pupuer, là, dans les points, je sais pas. Plaisir immortel. Le niveau de besoin de divertissement ne diminue plus. Ah, ça, je veux, par contre. Alors, elle va aller hiberner. Et toi, tu vas aller prendre une douche, hein, parce que là, ça va pas. Il fait jour. Bon, je vais attendre que Louvre termine sa toile quand même. Tiens, puisque toi, t'es là. Caresser, féliciter. Ensuite, elle ira hiberner. Oh, Tristum, c'est arrivé avec la foudre. Oh, je vais le garder ça, on l'étudiera après. On l'étudiera après. C'est bizarre que leur énergie vampirique aux parents ne... Je veux dire, ne s'améliore pas alors qu'ils font que dormir depuis tout à l'heure. C'est étrange. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement partir cette fois-ci. On va partir directement chez des gens. Comme ça, ensuite, on a toute la nuit pour être tranquille et pour améliorer un petit peu les compétences. Allez, le retour de l'orage. Oh non, j'espère que ça va pas les embêter. Hein. Tu vois, tu vas faire une entrée vampirique, s'il te plaît. Il y a d'autres personnes ici. Tiens, cette maison est bien à mon goût. Il y a quelqu'un ici. Obligé à boire une grande quantité. Et c'est tout, je crois. Il y a quelqu'un qui était pas là. Il y a quelqu'un qui était grisé quand j'ai cliqué sur la maison. Elle s'est pris la foudre. Oh là là, mais c'est pas possible. Je vais aller prendre une douche chez lui au passage parce que je suis dans un état. Il y a quelqu'un là. Pour Armand. Juste pour Armand. Voilà. Et lui, est-ce qu'il a réussi? Pas du tout. Bon bah tant pis pour lui. Ce plasma a été un délice. Il y a pas une salle de bain, une douche qui traîne là? Une baignoire, d'accord? Une douche. Parfait, prendre une douche. On va squatter un petit peu ici puisqu'on est là, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas? Il y a un autre étage. Hé, je t'avais pas vu toi ma cocotte. Elle s'est cachée tout en haut la vicieuse. Je l'avais pas vue, je croyais qu'elle était pas là moi. Voilà, comme ça il est que 20h, on aura eu le temps de bien profiter de la nuit. On va utiliser cette fois-ci l'astuce pour qu'elle se calme avec un miroir. Et lui du coup, bah tant pis, hein, il aura pas pu boire. Après là il est que 20h, peut-être qu'il y aura des gens qui passeront un petit peu par ici. Hulda, il faut qu'elle aille s'occuper du jardin. Louve passe par une phase, elle a tendance à être méchante et a envie d'être plus désagréable avec les autres Sims. Ok. Du coup j'ai pas encore la super. Vente, hein, c'est niveau 8. Alors c'est drôle parce qu'elle utilise le miroir pour se calmer, mais comme c'est un vampire, du coup, elle se voit pas dans le reflet, donc le miroir sert à rien. La main plus verte, Hulda s'épanouit autant que les amis végétaux qu'elle fait germer. Est-ce que cela signifie qu'elle aime le jardinage? On peut... Oh, on peut développer naturellement sans passer par le casse des goûts et des dégoûts. C'est trop bien. Tiens, il y a quelqu'un ici. Alors ça, c'est pour Hulda, hein. Donc voilà, parce qu'elle avait bien soif. Armand aussi, il a soif, mais... Ah bah, il y a quelqu'un là pour Armand. Il y a quelqu'un pour Armand. Toi, t'es qui, toi? Il y a quelqu'un pour Louvre aussi. Mais c'est parfait, dis donc. Ah non, c'est un vampire. Dommage, j'y ai trop cru. J'y ai beaucoup trop cru. Je vais l'envoyer peut-être s'occuper du linge. Eh, mais il y a plein de trucs qui sont tombés avec la foudre. Réclamer, mettre dans l'inventaire, étudier. Il y en a deux, je crois, sur le terrain. Étudier, étudier. Ça m'intrigue beaucoup, ces trucs-là. Spécimens fascinants. De superbes spécimens peuvent éveiller votre intérêt pour la quête du savoir. On va l'envoyer au conseil de géologie. Envoyer à un bijoutier pour le faire raffiner. Je connaissais pas ça. On va essayer ça. Le cristal a été envoyé à un bijoutier local. Vous devriez recevoir une version raffinée de votre cristal par courrier demain ou un peu plus tard. Je connaissais pas du tout. Ça, je vais le mettre dans mon inventaire parce que c'est trop joli. Comment ça, Louvre, elle a froid?
Pourquoi t'as froid? On est en plein été et la température est chaude. Des fois, je comprends pas ces Sims, hein, ils sont bizarres. Hein. Alors, reprendre grande toile classique. Donc voilà, aujourd'hui, on se sera focus sur la peinture et ensuite, on pourra s'occuper du violon dans le prochain épisode et on pourra terminer la quête des morsures. Le petit chat, il a l'air d'aller bien, hein. Contrairement à la dernière vidéo où il faisait que tomber malade. Mais regardez les sous qui rentrent, quoi. C'est un truc de fou comme ça rapporte. Il va faire jour, je vais envoyer les parents hiberner, mais Louv, je tiens absolument à ce qu'elle termine son niveau qui n'est plus très loin. Comme ça, on pourra la prochaine fois se focus, comme je disais, sur le violon. J'ai vu Monty partir en courant. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, la baignoire, elle est encore tombée en panne. Mais franchement, je comprends pas trop. Je sais pas si c'est Freya, si c'était vraiment parce que c'est du mauvais matériel, mais je l'ai pas vu Freya cette nuit, donc ça peut pas être elle. J'ai des droits d'auteur, j'ai le courrier. Ah, c'est peut-être mes petits cristaux que j'ai envoyés. Il est 10h, c'est n'importe quoi. J'ai jamais tiré aussi longtemps, mais là... Là, je veux finir ça pour aujourd'hui, quoi. Voilà, niveau 10. Louv est désormais maître. Elle peut enseigner la peinture à d'autres Sims. Alors, c'est ce qu'il m'avait dit pour Armand, mais c'est n'importe quoi. Je suis désolée, ça ne marche pas. Ok, bon, elle a fini. Je vais l'envoyer directement hiberner parce que là, elle en peut plus. Je vais lui mettre sa tenue d'été. Ah, je l'ai pas faite, sa tenue d'été. C'est une tenue d'office, mince. Bon, elle est pas dégueu, mais c'est pas ce que j'imagine pour Louv. Regardez ça. Elle a un piercing, des boucles d'oreilles bizarres. Faudra que je lui fasse sa tenue d'été, hein, vraiment, parce que là, ça va pas du tout. On va s'arrêter là, du coup, pour cette vidéo. On se sera bien focus sur la peinture. On aura les derniers objectifs du défi à faire dans le dernier épisode, du coup le prochain qui sera le 15. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu, un commentaire. Vous savez que ça me fait super plaisir à chaque fois. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye!